Alors n'oublie pas à la fin de cette vidéo, vous aurez vocabulaire. C'est une autre façon d'enseigner la langue française. Et aussi l'oral. Bonjour mes chers élèves de CE1, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors encore fois, je vous invite à prendre l'art, votre livre préféré. Alors aujourd'hui, on va voir lecture-compréhension. Voici la séance de lecture. Compréhension. Prenez s'il vous plaît votre livre et ouvrez à la page 78. Vous allez retrouver comme texte, comme histoire, les dents de mamie. Les dents de mamie de Mélise Carrara, édition Cédrap. Alors d'abord, je vous laisse observer bien cette illustration. Alors, le titre, c'est Les dents de mamie. Alors, observez bien cette illustration. Alors, il s'agit ici d'une petite fille dans son lit, tenant son nounours dans la main gauche. Au milieu du lit est assise une dame. Voici la dame d'un certain âge. Alors, il s'agit ici de sa grand-mère. Alors, cette dame, cette vieille dame, compagne, ça commence une discussion. Alors, mes chers élèves de CE1, prenez votre livre. Ouvrez-le à la page 60, 78. Lecture-compréhension. Lecture-compréhension. Alors, le thème abordé ici, c'est hygiène et bien-être. Il s'agit ici de l'alimentation. Alors, le titre, c'est Les dents de mamie. L'auteur de ce texte, de cette histoire, c'est Mélise Carrara. Je vous invite d'abord à observer bien cette illustration. Il s'agit ici d'une petite fille dans son lit. Alors, tenant son nounours. Au milieu du lit est assise une vieille dame. Il s'agit de sa grand-mère. Alors, une petite discussion à deux. Alors, d'après le titre, il s'agit ici d'une discussion autour des dents d'une grand-mère. Voilà, les dents de mamie, ça veut dire les dents de grand-mère. Voilà. Qui a écrit ce texte? Bien sûr, c'est Mélise Carrara. Alors, on va lire l'histoire ou le texte. Après dîner, papa et maman sont partis. Pas moi. Pour la première fois, je reste en vacances chez mamie. Chic à l'art, pêche à la ligne, chasse au trésor. Alors les dents de mamie. Les dents de mamie, c'est le titre de cette histoire. Alors prenez s'il vous plaît votre livre, ouvrez-le à la page 78, vous allez retrouver les dents de mamie. Alors d'après le titre, le texte va parler d'une discussion entre cette vieille dame et cette petite fille. Elles vont discuter au propos des dents de mamie, ça veut dire les dents de sa grand-mère.
Alors, la lecture d'abord. Après dîner, papa et maman sont partis. Pas moi. Pour la première fois, je reste en vacances chez mamie. Chic alors, pêche à la ligne, chasse au trésor. Mamie a toujours de bonnes idées. Allons faire notre toilette, puis au lit. Il faut être en forme pour s'amuser. D'abord, brossage de dents, mais surprise, les dents de mamie sont dans un verre sur le lavabo de la salle de bain. Mamie, tes dents, elles sont tombées? Mais non, voyons, c'est un dentier de fausses dents, si tu préfères. Des fausses dents? Mais pourquoi faire? Fini de te préparer, je vais te raconter. Blotti entre les draps, j'écoute la terrible histoire des dents de mamie ou de ma grand-mère. Alors, il était une fois une petite fille qui aimait beaucoup les bonbons. Elle en mangeait tout le temps, facile avec un papa confiseur. En plus, elle ne se lavait jamais les dents. Quelle horreur! À force, elle a eu plein de caries. Petit à petit, les caries ont grignoté ses dents qui sont tombées les unes après les autres. J'ai compris, dis-je, toute tremblante. Je suis trop jeune pour avoir un dentier. J'arrête tout de suite de manger des bonbons. Mais non, ne mange pas trop et lave-toi les dents après chaque repas. Ta bouche te remerciera, me conseille mamie avec un drôle de sourire. Voilà, c'est ça le titre, c'est ça le texte de Mélisse Cara, c'est l'auteur de ce texte. Alors on voit ici la petite fille avec son nounours, et ici au milieu de son, et ici au milieu de son lit, il y a sa grand-mère qui lui raconte l'histoire, qui lui raconte son histoire lorsqu'elle était une petite fille. Elle était une fois une petite fille, ça veut dire sa grand-mère, à l'âge d'une petite fille qui aimait beaucoup les bonbons, elle en mangeait tout le temps, facile avec un papa confiseur, c'est-à-dire tout simplement qui vend des bonbons. En plus, elle ne se lavait jamais les dents, ça, c'est une faute. Quelle horreur, à force, elle a eu plein de caries. Petit à petit, les caries ont grignoté ses dents. Ça veut dire les caries ont abîmé ses dents qui sont tombées les unes après les autres. Vous aussi, vous allez vous méfier. Il ne faut pas trop manger de bonbons. Regarde, mais non, ne mange pas trop et lave-toi les dents après chaque repas. Ta bouche te remerciera. Alors, c'est un conseil de mamie. D'accord? Bon, on continue avec des questions maintenant. C'est lecture et compréhension. Où dort la petite fille ce soir et pourquoi? Mamie a un dentier. Explique ce que cela veut dire. Mamie raconte l'histoire d'une petite fille. Qui est cette petite fille? Et pourquoi mamie n'a-t-elle pas plus de dents? Que doit-on faire pour ne pas avoir de caries? Alors maintenant, réponse. Je comprends. Où dort la petite fille ce soir et pourquoi? Alors ce soir, la petite fille qui raconte l'histoire dort chez sa grand-mère. Elle va passer ses vacances chez elle. Ce soir, la petite fille qui raconte l'histoire dort chez sa grand-mère. Elle va passer ses vacances chez elle. Alors pourquoi? Parce qu'elle veut tout simplement, il veut tout simplement passer quelques jours des vacances chez mamie.
Mamie un dentier. Explique ce que cela veut dire. Au moment de se brosser les dents, elle voit que sa grand-mère a de fausses dents. Ça veut dire un dentier, ça veut dire de fausses dents. Les fausses dents. Les dents qui ne sont pas vraies. Les dents qui sont fausses. Voilà. Mamie raconte l'histoire d'une petite fille. Elle dit, il était une fois une petite fille qui aimait beaucoup les bonbons. Alors, qui est cette petite fille? Alors, on dit tout simplement, c'est mamie. C'est la grand-mère, lorsqu'elle était petite. Alors, la petite fille dont parle mamie, dans son récit, est elle-même. Elle-même, quand elle était une enfant. Mamie explique, pour la dernière, pourquoi mamie n'a-t-elle pas plus de dents? Mamie explique qu'elle a perdu ses dents parce qu'elle mangeait beaucoup de bonbons et qu'elle ne se lavait pas les dents. Qu'elle ne se lavait plus les dents. Ça, c'est pire. Alors, mamie explique qu'elle a perdu ses dents parce qu'elle mangeait beaucoup de bonbons et qu'elle ne se lavait plus. Ou ne se lavait jamais, oui, qui ne se lavait jamais les dents. Alors, que doit-on faire pour ne pas avoir des caries, suivant le conseil de suivant le conseil de la grand-mère? Il faut pas manger trop de bonbons ou de sucreries. Il faut tout simplement laver les dents après chaque repas. Voilà, c'est tout simplement. Alors on passe maintenant à la partie de vocabulaire. La partie de vocabulaire, l'arbre à mots. J'enrichis mon vocabulaire. Alors les mots du texte, les dents de mamie. Recopie, puis coche la définition des mots en gras dans chaque phrase. J'écoute la terrible histoire. La terrible. Est-ce que qui fait peur ou qui fait sourire? J'écoute la terrible histoire. C'est-à-dire qui fait peur ou qui fait sourire? Facile avec un papa confiseur. Un papa confiseur, ça veut dire qu'il vend du dentifrice ou qui vend des bonbons. On passe aussi au mot de l'alimentation. Range ces aliments dans le tableau ci-dessous après l'avoir recopié. Il y a pommes, eau, riz, yaourt, poulet, pain, carottes, jus d'orange, haricots verts, lait, banane, dorade, agneau et poivron. Je sais pas, fruits, il y a des fruits, poissons, viande, produits laitiers, légumes, céréales et boissons. Voilà. Tout ce qui est rapport avec fruits, poissons, viande, produits laitiers, légumes, céréales et bon. Et il vaut mieux de compléter aussi chaque colonne, si vous voulez bien, avec deux autres aliments. Alors, ajouter de fruits, de poissons, ajouter aussi de fruits, de poissons. Ajouter aussi de fruits, de poissons. Comme l'exemple de dorade. Dorade, c'est un genre de poisson vraiment impeccable. Viande, non, viande, oui, viande, de type de viande, de type de produits laitiers, de légumes, céréales, poissons, voilà, ajouter deux pour chaque colonne. Alors maintenant, la correction. Suivez avec moi, s'il vous plaît, c'est à la page 79. Juste à côté. Alors, les dents de mamie. Vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Les mots du texte, les dents de mamie. Recopie pour coche la définition du mot en gras dans chaque phrase. J'écoute la terrible histoire. Dans la ligne 19-20.
Blotti entre les draps, j'écoute la terrible histoire des dents de mamie. Ça veut dire qu'il fait peur. Facile avec un papa confiseur. Ligne 23, 24. Il cite une fois une petite fille qui aimait beaucoup les bonbons, elle en mangeait tout le temps. Facile avec un papa confiseur en plus. Alors qu'ils vendent bien sûr des bonbons, qu'ils vendent des bonbons. Range ces aliments dans le tableau ci-dessous après l'avoir recopié. Il y a pomme, il y a eau, il y a riz, yaourt, poulet. Alors commence par fruits. Fruits, il y a pomme. Pomme et banane. Voilà, pomme et banane. Pour le poisson, il y a ce qu'on appelle dorade. Pour viande, il y a ce qu'on appelle poulet et agneau. Produits laitiers, bien sûr, c'est yaourt. Et les. Pour légumes, il y a ce qu'on appelle carottes. Carottes, haricots verts. Voilà. Poivron, oui. Céréales, il y a riz. Il y a pain, boisson, il y en a plusieurs, il y a eau. Jus d'orange. Ah, vous pouvez ajouter aussi d'autres mots. Soit par exemple pêche, sardine, viande hachée, beurre, tomate, ici. Alors pêche ici, fruits, sardine, viande hachée, beurre, tomate. Couscous, couscous, oui, couscous, limonade. Voilà. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette séance était vraiment très intéressante. Suivez avec nous toujours sur notre chaîne Je communique. D'accord, mes chers élèves de CE1.